Bonjour tout le monde, c'est Blandine. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui me plaît énormément. Et ici, devant vos yeux ébahis, vous observez une magnifique image. Il s'agit de Greta Reinwald et elle se trouve sur une carte postale ancienne. Voilà, regardez. Enfin bon, là c'est le verso de la carte, là c'est le devant. Voilà. Le devant est beaucoup plus intéressant. Voilà. Et j'en ai beaucoup des cartes de Grete. C'est une jeune fille née en 1902, d'origine allemande, qui a été actrice et pendant un temps assez long, enfin finalement pas tant que ça, mais bon, pendant quelques années, elle a été modèle photo pour des cartes postales que l'on appelle maintenant des cartes postales anciennes, mais qui à l'époque n'étaient pas des cartes postales anciennes, des cartes postales simplement. De son vrai nom, elle s'appelle Malvina Margaret Reinwald, toujours. Elle est née le 25 mai 1902 et elle est morte le 24 mai 1983. Que d'émotion quand j'ai vu ces informations, pour moi qui est une fan, folle fan de cette jeune fille, de voir qu'à un moment de sa vie, elle est, enfin de ma vie, elle était encore en vie, elle, pendant quelques années. Pas longtemps, je vous rassure, mais bon. Voilà, simplement pour vous dire ça, elle a été modèle photo avec sa sœur Annie et son frère Otto également. Et je les ai tous les deux sur une carte postale. J'espère que vous les voyez bien. Je fais de mon mieux. C'est pas forcément le plus classe du monde, mais à la base, je devais faire un montage photo avec des images que j'aurais scannées. Mais je pense que là, comme ça, en discutant, vous racontant des choses, c'est plus intéressant. Elle a été donc actrice et elle a fait pas mal de films en allemand. Donc, j'ai même pas cherché à. Pour l'instant, j'ai encore pas cherché à voir les films. Ce qui pourrait être très intéressant. Regardez comme elle est belle, celle-là. Des petits anges qui se font un bisou pour Noël. C'est écrit Joyeux Noël. Donc, à l'époque, on avait quand même des sacrées cartes postales anciennes. Regardez celle-ci. C'est Grete et sa sœur Annie. Et là. Il faut que je la mette dans le bon sens. Là, on a Grete ici et à côté, je suis pas convaincue que ce soit sa sœur. Mais bon, il y avait pas mal de modèles photos à l'époque, dès lors que tu étais un petit peu mignonne, pardon. Tu avais des chances d'apparaître sur une carte postale ancienne. Alors, moi, dans la vie, je suis dingue de cartes postales anciennes depuis que je suis petite. J'avais des cartes postales anciennes de mon village. Et puis, bon, ben voilà. Je les avais gardées depuis des années. Et puis, un jour, je suis tombée enceinte de Lucie. J'ai accouché de Lucie en 2008. Et la prime de naissance, c'était pas. Enfin bref, ça pétait pas des flammes pour parler comme ça. Et on n'avait pas assez pour pouvoir acheter tout le matériel pour bébé. Et moi, j'avais par exemple pas de tire-lait, j'avais pas de matériel pour stériliser les biberons, pour stériliser le tire-lait. Il nous manquait. Moi, je voulais un berceau. Oh, je sais, c'est un petit peu frivole. Je voulais un berceau. Et on n'avait pas assez d'argent. Donc du coup, j'ai été chercher mes cartes postales anciennes de mon village, de quand j'étais petite. Je les ai vendues. Et je suis tombée folle amoureuse des cartes postales anciennes. Voilà, tout simplement, on va dire ça comme ça. La dinguerie a commencé par là. Ici, nous avons donc Grete, sa sœur Annie et son frère Otto. Je suppose que c'est son frère Otto. Voilà. Donc voilà, après, au bout d'un moment, je suis complètement devenue dingo des cartes postales anciennes. Et en découvrant Grete,
À la base, je ne savais pas qu'elle s'appelait Greta Renwald. C'est une personne très gentille à qui j'avais acheté des cartes postales anciennes pour ma collection à moi, parce que je m'en achète tous les ans à mon anniversaire. Toutefois, cette année, je ne l'ai pas fait puisque la poste, elle dit boum, boum, confinement. Donc on verra plus tard, c'est pas grave, hein, on va pas se bloquer là-dessus. Et elle m'a dit, ben voilà, la jeune fille que vous collectionnez s'appelle Greta Renwald. C'est une actrice allemande qui s'est mariée d'ailleurs, parce que ça j'ai fait des recherches aussi, qui s'est mariée avec Fred Louis Lerch, un acteur autrichien lui. Alors après Greta, je ne sais pas si elle a eu des enfants. J'ai pas trouvé d'informations dessus. Est-ce que j'ai bien cherché? Je suis pas convaincue. Mais de toute façon, je chercherai et je vous dirai ça. Parce que des cartes postales de Greta, j'en ai encore quelques-unes qui traînent. Genre presque un peu. Mais je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Alors moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez des choses un petit peu qui vous aident à sourire, genre des collections de livres, des collections d'images, des collections, ben, pourquoi pas, de cartes postales, des collections de plein de choses, des envies de dessiner, des envies de lire, des envies de regarder des films, de vous amuser. Voilà. Moi, je sais que quand je regarde mes cartes postales anciennes de Greta Renwald, je suis folle fan de chez dingue. Voilà. C'est des cartes qui datent en moyenne de 1910. Elle est née en 1902 et très rapidement, elle a fait des photos chez les photographes pour les cartes postales. J'ai une photo, enfin, j'ai une carte postale ancienne de Greta Renwald, bébé. Donc, c'est comme ça que je le sais. Voilà. Bon, allez, moi je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Soyez courageux pendant le confinement et puis prenez soin de vous. À plus tout le monde.